Bonjour et bienvenue sur Téléafrique, je suis Dadou Henri Joël Zama. Nous sommes présentement à Beauville et puis là nous allons parler d'un fait qui est très frappant. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est l'état des bâtiments administratifs au niveau de l'intérieur. Donc ici, tout à l'heure, je vais tourner la caméra et puis je vais vous montrer quelque chose, vous allez comprendre. Voilà, comme je le disais, nous sommes à Beauville. Et ce que vous voyez ici là, c'est devant le ministère de la Construction d'Agobi. Vous voyez ce bâtiment que vous voyez là, en orange là, ça c'est la clôture. Hein. C'est devant le ministère qui donne les permis de construire, où on dépose les dossiers d'ACD, voilà, ceux qui réglementent tout ce qu'il y a comme foncier. Le ministère de la Construction d'Agobi. Je vais zoomer, vous allez voir. Voilà, direction régionale, vous voyez, ministère de la Construction. Du logement et de l'urbanisme. Urbanisme. D'accord. Et ici, on parle de direction régionale de la Nibitiasa. En termes du guichet unique du foncier et de l'habitat à Beauville. Regardez vous-même. Est-ce que ça, c'est normal? C'est ceux-là qui délivrent permis de construire. C'est eux qui nous disent comment on va construire, aménager, viabilisation. On est devant le ministère. Hein. Tout ce que vous voyez là, regardez tout ça. Tout ça là, ça c'est au sein. Ce que le bâtiment là-bas en bois là, c'est au sein de la construction. Ça c'est la clôture de la construction. Regardez devant, regardez les herbes. Regardez le gros camion qui est là. Regardez l'état devant un bâtiment privé. Regardez en face. Regardez en face. Le ministère de la Construction à Beauville. Tout ce qui est ACD. C'est eux qui donnent tout permis de construire. C'est eux qui vont nous dire ça, valider les dossiers. Il faut voir un architecte, il faut faire ceci, ACD, guichet unique, tout. C'est pas joli, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, c'est un fait. La majorité, nos bâtiments administratifs qui devaient servir d'exemple, ça c'est l'agriculture, la construction. On doit avoir un très 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 beau bâtiment ici, joli, qui attire, qui devient même un lieu touristique, un lieu public avec un jardin devant, les arbres un peu partout. Hein? Vous comprenez? Donc quand toi-même tu viens là, tu viens faire ton ACD ou bien tu viens faire tes permis de construction, tu sais que tu es venu quelque part, tu vas suivre l'exemple. C'est ceux-là qui donnent tout, autorisation pour faire les lotissements. Il faut viabiliser tout ce que vous voyez comme condition là. Mais regardez là où nous sommes. Je vais aller un peu devant, vous allez voir un peu dans la cour. Voilà. Regardez. Ça, c'est la construction d'Agobi. Ça, c'est tout. Vous voyez la construction. Chaque fois quand je viens, mais il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo là. Pour que vous voyez. Ceux qui doivent servir d'exemple là, il y a rien du tout. Voilà. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Téléafrique.